Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est notre quatrième leçon, leçon 4. Leçon 4 n'a pas de grammaire, alors on va commencer par le texte. 第四课没有语法，我们就从课文开始啊。那么今天的课文呢，我们要讲的是这样的一个主题，叫做 La télé réalité， télé 电视， réalité 现实，连起来就是电视真人秀。OK， 那么第一篇课文就是这个表格了。这个表格里面首先介绍了四个电台， voilà il y a quatre chaînes en France. La première chaîne qui s'appelle DF1. DF1 est la première chaîne de la France, la plus grande chaîne privatisée, privée en France. 它是法国私有化之后的最大的一个私有化的电台啊。它属于这个 La Groupe Bouygues， 属于布依格集团。那么 DF1 中午的午间新闻les 13h, 也就是一点新闻，以及晚间新闻 20h, 是收视率非常大的，非常高的啊，非常广泛的这样的一个新闻节目。那么这四个电台里面分别都有这个真人秀节目，那么这个表格里面就呈现出了每个电台的真人秀是哪些。我们先来看看 DF1 里面呢，它的真人秀的节目的名字叫做 Confession Intime。 Alors Confession 的意思呢，指的是倾吐心声，我们经常说 faire une confession à quelqu'un， OK， 那么 intime 是指私密的，比如 un ami intime， 我们讲闺蜜，对不对？ des relations intimes， 非常亲密的关系， OK， 这个叫做 intime， un ami intime， des relations intimes。 好，那么这个 confession intime 就是指极其私密的心声的倾吐。好，这个题目啊非常的诱人啊，你看到这个题目你应该就会想来看这个节目了。叫 Un mardi par mois， 每个月的周二，然后呢 à 23h10 11点10分播出。好，下面一个是 France 2 呢，是法国的第二大电台， la deuxième chaîne en France mais la première chaîne en France nationale， 它是法国的第一大国营电台，那么第二大电台电视台啊。OK， 它是国营的啊，国家百分之百控股的。好，那么第一个叫做 Sas Discute， 好 ，Toute une histoire， 这都是它节目的名字。然后是 France 3啊，法国三台，也是国营的电视台。Vie privée， 私人生活 ；Vie publique， 公共的生活。好 ，Le mieux c'est d'en parler， 最好的就是说出来。好，最后一个是DMC。DMC 这个 D 就是 Television 了 ，MC 是蒙特卡罗，实际上就是它是由法国跟摩纳哥王国共同控股的这样一个电台，主要面向法国人呢、啊、摩纳哥还有瑞士等等法语区的人们啊、来广播的这么一个电视台。然后 Ma drôle de vie， drôle 表示可笑的、有意思的啊的生活。好，那么这就是四大电台他们主要的一些真人秀的节目啊。好，接下来呢，那么其中最有名的一个呢啊，也是就是在这篇文章当中举了一个例子，叫做 Le mieux c'est d'en parler， 最好就是讨论一下。你在底下可以看到一个词叫做 homo parlant d'alité， OK， 那么在这一期里面谈的就是单亲的问题。好，那么接下来我们就来正式的看啊、这篇小文章。其实这是一个小通知了。Présenté par Marcel Ruffaut et Charline Roux。好，这两个主持人的名字。Présenté 就表示主持。Tous les dimanches à 17h10。好，每个周日下午5点10分。Apportez vos témoignages pour nos prochaines émissions。Élever un enfant seul, leur histoire d'amour est impossible. Frères, sœurs, ils se détestent. N'hésitez pas à contacter Anne, Céline, par email ou par téléphone au 01 41 86 00. Voilà. 好，我们刚才提到了这样一个词，叫做 témoignage。这个词的本身表示见证的意思。那么 apporter les témoignages 就是其实它是一种非常文雅的表达，也就是观看，说哎，带来您的见证，实际上就是您观看我们的下一期的节目。那么 témoignage 名词动词见证叫做 témoigner， 然后证人就是 un témoin。 好，第一个主题叫做 élever un enfant seul， 好，养育这个独子是吧，就是独生子女了。
第二个 leur histoire d'amour est impossible. 他们的爱情故事是令人难以想象的，不太可能发生的。好 frère et soeur, ils se détestent. 这个兄妹他们是互相讨厌的。OK, 那 n'hésitez pas à contacter, n'hésitez pas à, 表示不要犹豫，尽管去联系他。Hésiter 表示犹豫的意思，所以 n'hésitez pas 表示鼓励啊。好，通过 email 或者是电话的方式来联系 Anceline 的这个人。OK, 我们来看下一篇文章啊。Appel à témoin, 这个 appel 表示呼吁的意思啊，就是呼吁见证人。实际上就是如果你是当事人的话，你愿意来讨论这个话题，那哎，我们呼吁你来陈述一下你的观点。OK, vous êtes sur le point de changer de vie, 您正要改变您的生活。好，我们刚才看到了一个小短语呢，叫做 être sur le point de, 表示正要做什么什么事情。例如La valise est sur le point de tomber, 说这个箱子啊正眼看着就要掉下来了。好 ,vous étiez sur le point de sortir quand ils sont arrivés hier soir, 说您呢正要走的时候他们就到了。OK, 这是sur le point de, 正要。Le bourreau était sur le point d'exécuter quand par miracle, un décret de l'empereur arriva, déclarant que le condamné était innocent et qu'il devait être mis en liberté tout de suite.而这个刽子手啊正要行刑的时候，突然啊神奇的这个皇帝的手谕啊，他的诏令呢就到了，然后就宣布说这个罪犯呢他是无辜的，而且他应该立刻释放。好，这就是sur le point de, 表示立刻马上。好 ,père de famille, 这个家里的父亲 ,vous souhaitez quitter votre emploi pour vous consacrer à vos enfants?说您呢希望离开这个辞职，然后呢完全的照顾您的孩子，叫做 se consacrer, consacrer quelqu'un, quelque chose, à quelque chose, 或者是 se consacrer à, 表示全身的投入到什么当中去，或者是这个完全的投身于什么。好，例如 Pourriez-vous consacrer l'une de vos prochaines émissions aux personnes qui passent des heures et des heures sur Internet?您可不可以把您这个将来的几期节目当中有一期啊，咱们来讨论讨论这些人他们在网上上网的时间，就是连着几个小时几个小时的去上网，所以叫 consacrer l'une de vos prochaines éditions à quelqu'un。 好，把这些节目这个用来说什么什么事儿啊。好，下一个 il a consacré toute sa jeunesse à sa passion du jazz。他把他的整个的青春呢都用于这个爵士乐上了。La première partie de cet exposé sera consacrée au rappel des discussions de ces dernières années autour de ce problème. 说这个 exposé 就表示一个报告，对吧？这个报告的第一个部分呢是用来回忆什么呢？回忆这样的一些讨论，就是最近几年有关这个问题的讨论。OK。好，这就是 consacrer, 你可以翻译成用于或者是全部的贡献于奉献于什么什么东西。好 ,mère au foyer depuis de nombreuses années, 说您呢是家庭主妇啊，已经很多年了，这有一个词叫 mère au foyer, 就是家庭主妇。Et vous décidez de reprendre une activité professionnelle, 现在呢您希望能够重新开始一个职业的生涯。好，那么 de nombreuses, de nombreuses 表示很多的。 Il a visité de nombreuses villes, 他访问了很多的城市，其实就是 beaucoup de, 但是你要注意到底用 nombreuses 还是 nombreuses 取决于后面的这个名词的阴阳性是什么样的。OK, 好，来接着看下面一个。 Vous êtes sur le point de tout quitter, 你想马上就要什么都要抛弃了。 Famille, 家庭 emploi, 工作。 Pour rejoindre l'homme ou la femme de votre vie,为了怎么样？为了去找你的这个生命里的真命天子啊，人生的挚爱啊，你的生命当中的那个男人或者是那个女人。OK, vous choisissez de fuir le stress de la vie citadine et de vous installer en famille à la campagne. 好，我们先来看看刚才说到的这个词叫做 rejoindre, 哈，表示寻找。OK, 或者是重新的聚首。OK, je vais vous rejoindre dans un instant, 我一会儿之后就去找你，表示以前我们见过的啊，然后我再和你相聚在一起，这个叫做 rejoindre。OK,
好，下面这个是 vous choisissez de fuir le stress. Vous choisissez choisir de faire quelque chose 表示这个选择做某事。您选择 fuir 是逃避 ，fuir le danger 逃脱危险 ，fuir le défi 逃避挑战 ，fuir le stress 表示这个逃避压力。说您呢要逃避的是城市生活的压力 ，OK。Et de vous installer en famille 来更版你，然后您想怎么样？整家都搬到乡下去生活。好 ，vous souhaitez témoigner 如果您是这样的人的话，而且您希望能够 témoigner 要来见证您所经历的一切，想跟大家陈述你所经历的一切。Laissez-nous un message， 那就 laissez-nous 就请您给我们留一个 message。然后到这个电话号码 ，vous envoyez un email， 或者呢发一个邮箱到这个邮件的地址 ，en indiquant vos coordonnées téléphoniques。同时注意哦，同时这是一个副动词表，同时进行 ，en indiquant vos coordonnées téléphoniques， 留下您的电话联系方式 ，vos noms et vos prénoms， 您的姓或者是名 ，en quoi votre profil peut nous intéresser et les moments où l'on peut vous joindre。还有在哪个方面您的整个的这个您的所有的资料 OK， profile 本身指的是一个人的侧脸或者是轮廓的意思，这儿呢它的意思就是您的整个的形象啊，您的所有的跟您有关的东西构成的您给人的印象。 Peux-vous nous intéresser 到底是哪方面您的所有的这个资料可以让我们感兴趣 et les moments où l'on peut vous joindre 和您我们可以联系您的这个时间时刻。好，刚才我们提到了一个 en profil， OK， 叫 dessiner le profil de quelqu'un， 画某人的这个肖像。你也可以说 concevoir le profil de voiture， 我们来设计车的这个线条。好， donnez-moi une photo de profil， 请给我一个侧脸的照片。Votre profil correspond bien à notre demande， 说您的这个整个的资料啊，您的所有的这些资料啊，要求都非常符合我们的要求。OK， 好，这个叫 profil。好，我们再来看这个 on 这个词呢，经常表示的是在哪个方面，叫 en quoi votre profil peut nous intéresser， 到底在哪个方面，您的这些资料可以让我们感兴趣？好，来看 ，Je suis en informatique， 我是计算机系的，我是这个领域的，哎，一个方面。再看。Il est dans lettres， 他是文学专业的啊，文科的。Cette région est riche en pétrole， 这个地点呢是怎么样？石油非常丰富的，依然还是 être riche en。好 ，Je vais vous dire en quoi tu te trompes， 我来告诉你，你错在什么地方了，哪方面 ？Précisez en quoi et pourquoi le médecin change d'attitude， 说，哎，你请你告诉我更详细的说，在某方面以及为什么。Le médecin change d'attitude 啊，这个医生呢改变了他的态度。好，这个 on 呢用的是表示一个某一个方面、某一个领域。好，刚才我们见到了一个 rejoindre quelqu'un 表示与某人重聚。那么 rejoindre quelqu'un 呢就是联系上某人，其实就是 prendre contact avec quelqu'un。Je n'arrive pas à le joindre， 我完全怎么样联系不上他啊 ？OK。好，我们再来看下一篇。小文章啊，好，这是我们的第四个了。Si vous souhaitez d'obtenir des informations concernant l'une de nos émissions ou suggérer un sujet, n'oubliez pas de nous laisser une adresse email pour que nous puissions vous joindre facilement. 好，如果您希望啊 ，obtenir des informations 获得一些信息 ，concernant 有关于，或者是 s'agissant 都可以啊。l'une de nos émissions 关于我们的节目当中的某一个 et suggérer un sujet 建议一个主题 n'oubliez pas de nous laisser une adresse 别忘记给我们留一个 email 的地址 pour que nous puissions vous joindre facilement 以便我们可以很方便的找到你联系上您。好，这儿有一个词叫 concerne 叫关于，那表示关于还可以用哪些词呢？你还可以用到 qui concerne à propos deAu sujet de 啊，都可以用来表示关于什么什么事情。好，这个词叫 suggérer， 表示建议啊，你也可以用 proposer 建议。
suggérer à quelqu'un de faire quelque chose, 表示建议某人做某事。Je lui ai suggéré de prendre le métro à cause des embouteillages. 我建议他怎么样乘地铁，因为有交通这个堵车啊。Il m'a suggéré de partir le plus tôt possible. 他建议我尽早的出发。OK, suggérer à quelqu'un de faire quelque chose, 或者是 suggérer quelque chose à quelqu'un. 好 ,oublier quelque chose 和 oublier de faire quelque chose, 能够遇到短语的时候要记起来这个动词后面到底用的还是用are。一般的表达里面我们不太会太去纠结它，但是如果你要说对啊，说的是准确的，而且呢会涉及到一些复合句的架构，这个介词还是非常关键的啊。Il a oublié ses clés. 他忘记了他的钥匙。Il a oublié de prendre ses clés. Voilà. OK. 好，后面有一个词，最后一个句子叫做 pour que. Pour que 叫为了。那它的可以等同于 afin que. 句子后面要用的是subjonctif， 需要使用虚拟式啊。也可以等于 de sorte que, de façon que， 它是表示的是一种目的。OK， 刚才我们提到了这个节目制作方呢，向观众们发出了这样的一封请求或者是邀请。那下面呢，就是有人的回复啊，我们来看一下 ，Madame, Monsieur, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi votre émission de cette semaine. Frères, sœurs, ils se détestent, car ma meilleure amie vit cette situation avec son frère de 17 ans. Ah, c'est avec beaucoup d'intérêt que. 好，这是一个强调句。叫做哎，是有很大的兴趣，带着很大的兴趣，我呢就观看了这一期的节目。Frères sœurs ils se détestent， 啊，兄妹他们互相厌恶。Car ma meilleure amie， 因为我最好的朋友 vit cette situation， vit 表示经历，对吧？经历了这样的一个情景。Avec son frère de 17 ans， 啊，跟他17岁的兄弟。好，首先呢，这儿有一个强调句叫 say 什么什么 que。中间呢加可以除了主语和动词之外的所有成分都可以。例如 C'est en lisant beaucoup de romans de français qu'il a fait un grand progrès en langue française. 他读了很多法语小说，通过这样的方法获得了很大的进步在法语上。那么 C'est que 中间加的是一个状语，就跟这句话是一样的。C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi votre émission. 好，那观看这个节目我们用的是 suivre 这个词啊，你可以说 suivre une émission， 观看一个节目，收看一个节目， suivre un cours 上课， suivre les infos 听新闻，哎，都可以用 suivre 来表示。好，下面一个词叫 vivre une situation， 表示经历了一种什么样的情况，例如 vivre une situation difficile， 正在经历一个非常困难的时期， vivre une vie aisée， 过着非常惬意的舒适的生活。OK, vivre. 那你也可以用 mener 这个词来替代它啊。好，继续看第二段。Pendant cette démission, l'un des invités a parlé d'un psychologue parisien qu'il a beaucoup aidé, comme mon ami est actuellement à la recherche d'une personne compétente dans ce domaine, je vous serais reconnaissante de m'adresser les coordonnées de ce psychologue.好 ,pendant cette émission, 在这个节目期间呢 ,l'un des invités, 受邀者当中的一个 ,a parlé d'un psychologue parisien, 他提到了一个巴黎的心理医生 ,qu'il a beaucoup aidé, 他呢就是帮助了他很多。Et comme mon ami est actuellement à la recherche d'une personne compétente dans ce domaine, comme 放在句首表示因为我的朋友呢现在正在寻找一个这个非常有能力的人在这个领域当中，这有一个词呢叫做 à la recherche， 就是 recherche 表示寻找，就是 chercher soigneusement 叫做 recherche 寻找。 Vous pouvez contacter cette société qui est à la recherche d'un directeur de projet， 说您可以联系这个企业，他们呢正在寻找一个项目经理。À la recherche d'un perdu est le titre de l'œuvre de Marcel Proust. 说这个 à la recherche du temps perdu, 叫追忆似水年华，是 Marcel Proust 普鲁斯特的一本作品的名字啊，叫做 à la recherche du temps perdu.
OK, à la recherche d'une personne compétente, 要找一个能够有能力的人啊。然后dans ce domaine, 在这个领域当中。OK, je vous serai reconnaissant de m'adresser les coordonnées de ce psychologue. Être reconnaissant à quelqu'un de faire quelque chose, 表示对某人来说非常感激他做什么事情。Je lui ai reconnaissant de m'avoir beaucoup aidé. 我非常感激他帮助了我。你也可以说 remercier quelqu'un de faire quelque chose. Je le remercie de m'avoir beaucoup aidé. 我感谢他帮了我。OK, 好，这个词叫 adresser 呢，如果后面加信的话，其实就是表示寄送的意思，就是 poster 啊。Adresser une lettre à quelqu'un, envoyer une lettre à quelqu'un, poster une lettre à quelqu'un。当然呢，它可以叫 adresser les coordonnées à quelqu'un， 其实就是把这个地址怎么样给它发过来，给它寄过来，所以也可以用 envoyer 也没有问题啊。好，我们来看第三段。Je profite également de ce message pour vous faire un petit suggestion. Profiter de 表示利用的意思。OK, 好，说我呢也利用这一次这个信息呢来给您做一个小小的建议。Profiter de quelque chose, on cite une phrase comme exemple, il fait un temps splendide, profitez-en bien. 说今天天气太好了，要好好利用啊，好好享受。Nous voudrions profiter de ce voyage d'affaires pour visiter votre pays que nous ne connaissons pas. 说我们非常愿意怎么样，就是利用这次商务旅行来参观您的国家，我们完全不了解的啊，对于这个国家我们完全不了解。OK, profiter. Également 就是 aussi 啊，然后呢，我们要同样呢，我也想这个利用这次这个写的这封信啊，来给您做个建议。De faire une suggestion à quelqu'un ou donner une proposition à quelqu'un. Pourriez-vous consacrer l'une de vos prochaines émissions aux personnes qui passent des heures et des heures sur Internet? 您可这句话我们刚才说过了，您可不可以这个下几期节目当中有一期可以说一说这个不断上网的人啊，上网虫啊 ？OK， 好，那么在这儿呢，用了一个 des heures et des heures， 我就表示连续好几个小时上网，这是用 des 表示好几个，比如说。Des fois, il a envie de quitter Paris. 有时候，有那么几次，他想离开巴黎。Il a consacré des années, des années à la mise en place de ce projet. 他花了好几年的时间，连续很多年很多年，以怎么样去实现实施这个方案。OK, comme il y en a des millions, j'en fais partie. En France, beaucoup de téléspectateurs sont concernés par ce sujet. Comme 表示因为嘛。因为呢，这儿有无数几百万人。J'en fais partie, faire partie 表示是什么的一部分，我也是其中的一部分。En France, beaucoup de téléspectateurs, 很多的观众呢是concerné par ce sujet, 是怎么样，是跟这个主题相关的。好 ，meilleure salutation, 此致敬礼。OK, merci d'avance。好，最后一句，此致敬礼 ，meilleure salutation, merci d'avance。先感谢您了。OK, 好，这就是这篇文章啊，里面的小短语呢，大家还是要在课下呢多多的记忆。